Yo les gars, c'est Kaper, vous êtes bien, moi ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous présenter 5 pépites petit budget. En effet, j'ai décidé de vous prendre 5 pépites à moins de 5 millions d'euros sur le mode carrière qui vous permettront peut-être de faire des bénéfices parce que vous pouvez les acheter et les revendre plus tard. Mais c'est vrai qu'avec des petits clubs, on cherche toujours la pépite qui peut faire changer la donne. Et moi je vais vous en donner 5 pépites qui peuvent vous permettre de gagner en mode carrière un maximum d'argent mais aussi un maximum de titres. Alors là, j'ai pris le Real Madrid pour vous montrer tout simplement je voulais avoir les joueurs sans me prendre la tête vu que je voulais tous les recruter. Donc j'ai pris le Real Madrid comme ça c'est facile. Donc les joueurs sont juste ici, sont dans l'équipe. On va aller dans le rapport d'équipe. Alors le premier c'est Yuri Medeiros. Yuri Medeiros c'est un joueur qui jouait au Sporting Portugal. Il a été acheté pour 4 millions d'euros. Et Yuri Medeiros, si je regarde bien, il a 84 de potentiel. Donc vraiment, lui c'est un très très bon joueur. C'est un ailier gauche, regardez-moi ses stats. 87 d'accélération, 118 de vitesse, 87 en agilité, 92 en équilibre. On va aller voir aussi 4 étoiles gestes techniques, les gars, il a 20 ans. Il peut même jouer MOC, je vous le dis. Donc ce genre-là, c'est vraiment une pure pépite. C'est le petit Cristiano Ronaldo, entre guillemets, du mode carrière. Il a seulement 20 ans, il vaut 4 millions d'euros, je vous le conseille énormément. L'autre joueur, en plus, regardez-moi ça. Avant d'enchaîner sur le petit Bilal ou de Chic, ce joueur-là a quand même joué 2 matchs avec moi. Il a déjà pris un +1, les gars, pour vous dire le niveau du joueur, pour vous dire que ce joueur-là il déconne vraiment pas. Je pense que c'est un des meilleurs que je puis vous présenter. 4 millions d'euros, c'est vraiment que dalle. Vous le recrutez avec une petite équipe, genre Caen, etc. Je suis sûr qu'il voudra bien venir parce qu'il joue au Sporting Portugal. Bon, c'est vrai qu'il est pas mal convoité, donc c'est vrai que j'ai dû mettre un peu plus cher. S'il n'est pas convoité dans votre carrière, vous pouvez l'avoir pour 3 millions d'euros, mais sachez que ce joueur-là vaut vraiment vraiment le coup. Avec quand des petites équipes comme As, c'est bon, vous pouvez vous prendre sans problème Yuri Medeiros. Ensuite, Bilal Oud Chic, excusez-moi pour pour la prononciation, 3,8 millions du FC Twente. Donc en Eredivisie, lui il a que 66 de général, mais quand on regarde il a une évolution de 84 si je me trompe pas. Oui, voilà le petit Bilal Oud Chic. Donc voilà, lui très 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 technique, bah faut dire il vient des pays du Maghreb si je me trompe pas, il doit être marocain. Bon, je m'avance en lisant juste ton prénom. Ah, il est Pays-Bas, il vient du Pays-Bas. Bon, il a des origines algériennes ou peut-être marocaines, je dirais marocaine moi. Donc c'est vrai que les joueurs marocains etc sont très 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 techniques. Lui elle en fait partie, 4 étoiles gestes techniques, il a 17 ans, il fait 1m67, regardez-moi ses stats. 79 en accélération, 74 en vitesse. Sachez que la vitesse, vous allez me dire c'est anecdotique etc pour un jeune joueur, c'est pas énorme 74. Mais sachez que vu qu'il augmente énormément, ses stats in-game vont elles aussi augmenter énormément. Il a 84 en agilité, un gros 92 en équilibre les gars, c'est juste incroyable. C'est un très très bon joueur que je vous conseille. Lui aussi il fait partie des super pépites au même titre que Yuri Medeiros. Ça vous fait 2 ailiers pour moins de 10 millions d'euros. Si vous vous arrangez bien, vous pouvez avoir les 2 pour 7 millions. Si vous êtes assez malin, vous pouvez avoir les 2 pour 7 millions. Et je vous assure que ces deux joueurs-là, c'est des joueurs qui montent à 84 pour l'un. Et lui, je crois qu'il monte à 86, si je me trompe pas. Donc vraiment, ce sont de très 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 bons joueurs. N'hésitez pas à les acheter. Donc là, je sais pas pourquoi je m'en vais, mais on va retourner directement. L'autre, c'est Enes Bounal. Lui, c'est le joueur le plus cher que je vais vous présenter. Donc lui il vaut 5 millions et 100 000 euros. Donc lui c'est un joueur que j'ai eu beaucoup de mal à acheter. Mais c'est un joueur que je voulais parce qu'il me fallait un buteur à vous présenter un buteur. Donc lui j'ai pris Enes Bounal. Donc lui il a des stats plutôt honorables. Il a 4 étoiles gestes techniques, 4 étoiles mauvais pieds. Donc lui il va pouvoir finir très très facilement. Des contributions moyennes, c'est peut-être son plus grand défaut. Il fait 1m85, donc c'est plutôt grand. 72 en accélération, 75 en vitesse. Donc autant vous dire que quand il sera à son niveau maximal de 83 à peu près, c'est environ hein, donc 83, il aura bien plus de 80 de vitesse. Ça risque d'être un joueur super super intéressant. C'est vrai que lui il est recruté de Bursaspor. Donc pour 5,1 millions, c'est vrai qu'ils sont plutôt coriaces, ils veulent pas le lâcher. Je vous assure que j'ai fait des offres, beaucoup beaucoup d'offres. J'ai monté progressivement et c'est vrai que Enes Bounal il voulait pas le lâcher. Finalement ils l'ont lâché et c'est vrai qu'il m'a déjà mis un but moi de mon côté. Donc vraiment très 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 bon joueur. Le quatrième joueur c'est Fares Balouli, le joueur de l'Olympique Lyonnais. Donc lui il est très facile à avoir, hein. Le Lyon ne s'intéresse presque pas à lui. Vous pouvez l'avoir pour 2 millions d'euros les gars. Donc lui très bonne stat en accélération, en vitesse, en agilité et en équilibre. Le plus avec lui c'est qu'il a un 68 en force. Comme vous le voyez, 4 étoiles gestes techniques, 4 étoiles mauvais pieds. Et regardez-moi surtout la palette de postes où il peut jouer. MOC, MD, MG, BU. Il a 19 ans, il fait 1m81. Une contribution offensive forte et défensive moyenne. Ce qui est vraiment intéressant pour un milieu offensif central. Vraiment, c'est un joueur qu'il faut que vous testiez. Il est pas cher, 2 millions d'euros. Je peux vous dire, j'ai pas fait dans la dentelle. Vous pouvez le chauffer pour moins. Moi, j'ai donné ce qu'il voulait parce que bon, j'ai l'argent. Mais vous pouvez largement le choper pour moins, le petit Fares Balouli. Et c'est vraiment lui aussi une pépite. Et le dernier, c'est Levin Ostounali. Donc là, il me fallait un milieu défensif central, je vous l'avais dit. J'en voulais un.
Et donc Levin Ostounali, c'est un des joueurs qui avec le un des plus gros potentiels sur le jeu. Il a 63 de général, donc là vous me dites il va prendre quoi? Plus 10, il aura 73. Non les gars, pas du tout. Ostounati s'y monte à 84. Les gars de général, donc lui 65 d'accélération, 68 de vitesse, 68 en agilité, 67 en équilibre. Vous allez me dire ces stats là sont dégueulasses et je vous l'accorde, elles sont dégueulasses. Mais c'est un joueur qui peut devenir vraiment incroyable, qui là vous pouvez pas savoir les stats qu'il a. Je vais vous montrer peut-être à la fin de la vidéo les stats de ces joueurs là 10 ans après. Et vous verrez que ces joueurs là auront augmenté, qu'ils auront presque 80 partout dans toutes les stats. Il aura, bah dites-vous, un truc tout con, il a 63 de général, il passe à 84. Donc vous prenez toutes les stats et vous leur mettez plus 20. Plus 20 toutes les stats. Et regardez-moi comment ça devient plus intéressant tout de suite. Si on met plus 20 toutes les stats, ça fait 85 en accélération, 88 en vitesse, 88 en agilité. Je vous assure que ce joueur-là peut vraiment être une grosse pépite. Surtout que je l'ai payé que 1,5 million au Bayern 0,4. Donc je vous le conseille énormément. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo spéciale joueur petit budget. Je vous l'avais dit, je vous en ferai une de petit budget parce que je vous avais fait une gros budget. Donc là, c'est la petit budget. Vous voyez, tous ces joueurs-là valent moins de 5 millions d'euros, sauf Ounal qui vaut 5 millions 1. Mais en tout cas, ces joueurs-là ont une valeur vraiment très faible, hein. 1 million 3, 600 000 euros, 825 000, 450 000 et 180 000. Donc vraiment des grosses pépites. J'espère que cette vidéo vous a fait plaisir, qu'elle vous aura permis de vous améliorer tout simplement dans le recrutement, essayer de recruter des joueurs plus intelligemment. On sait, joueur CAF. Bye tout le monde!